Amir et Lita Alada sont depuis le 9 février 2019 les heureux parents d'un petit Michael. Les deux tourtereaux s'étaient mariés en juillet 2014 en Israël, peu de temps après sa participation à l'émission musicale The Voice dont il ne souhaite pas être coach. Depuis, ils filent le parfait amour aux côtés de leur premier enfant. Dans une interview avec le magazine Magic Maman, publiée le jeudi 9 septembre 2021, le chanteur est revenu sur sa vie de papa. Amir se confie notamment sur le moment où il a appris la grossesse de sa femme. Lors d'une journée très spéciale, c'était mon anniversaire. J'étais en pleine promo et j'avais bien fait la fête la veille. Je me suis réveillée un peu tard et j'avais une dizaine d'appels en absence de ma femme. Je me suis dit qu'elle était très impatiente de me souhaiter mon anniversaire, raconte l'interprète de Carousel en riant. À ce moment-là, il ne pouvait pas savoir qu'elle lui ferait la plus belle des surprises. Lorsque l'artiste a enfin eu son épouse au téléphone, ce fut le choc, quand je l'ai appelée. Elle m'a annoncé qu'elle avait fait un test de grossesse et qu'il était positif. Je n'aurais pu imaginer un plus beau cadeau. Amir confie ensuite que la naissance de son fils fut une véritable onde de choc de bonheur. Malgré un accouchement difficile, est-ce devenu rapidement une autre difficulté, le choix du prénom. On a mis du temps, car on n'a pas du tout les mêmes goûts. Nous nous étions mis d'accord sur le deuxième prénom. Michael, celui de mon papa. Finalement, 3 ou 4 jours après la naissance, nous avons choisi de l'appeler ainsi. Classique et intemporel. C'est un bel hommage courant dans notre culture, je porte le prénom de mon grand-père maternel. Une belle preuve d'amour qui confirme que la notion de famille est très importante pour eux.